Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prises, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent.